Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 13 juillet. Demain, c'est la fête. Mais vous verrez cette vidéo bien après, comme d'habitude, puisque tout est programmé. Demain, c'est l'anniversaire de maman aussi. Faut pas que j'oublie, parce qu'en ce moment, j'ai une tête. Mais une tête comme une passoire. Voilà. Donc, vous vous demandez, que se passe-t-il? Unboxing numéro 2, 2 sur 2, de chez Vip Cross Stitch. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il dans ce paquet? Tout simplement, en avant, je vous dis que je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos, le lien du produit en barre d'infos, ainsi que le code promo que j'ai pour vous, qui est ISA07OFF. Je surveille ma chienne, ça y est. Elle fait la tête parce qu'elle pleurait ce matin. Mais je déjeunais, mais elle pleure pour que je m'occupe d'elle, en fait, mais que je ne peux pas déjeuner. Donc, voilà. Donc, ISA07OFF qui vous fait bénéficier de 7% de réduction lors de votre petit passage en caisse, entre guillemets, virtuelle, hein, puisqu'on n'est pas avec son petit caddie dans le rayon de tel magasin aux activités, loisirs créatifs. Mais c'est tout comme. Donc, bah écoutez, j'imagine que vous êtes pressés comme moi de découvrir ce qu'il se passe dans ce paquet. Alors, est-ce que vous avez une idée? Moi, je sais, heureusement d'ailleurs. Bon, bah écoutez, vous allez vous dire, non mais, hé, encore? Oui, encore, je suis désolée. Non, c'est parce que je vous réserve des surprises à la fin de cette petite vidéo unboxing qui va prendre de l'ampleur. Voilà. Alors, j'ai un code ici, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu prendre sur le thème de Noël, parce que j'aime beaucoup Noël. C'est cosy, c'est tapis, c'est cocooning. On se met devant la cheminée de feu de bois que je n'ai pas dans ma maison, mais que j'avais avant. Donc, en anglais, ça s'appelle Latch Hook Kits, qui de crochet, en fait, c'est le point noué, tout simplement, mais c'est dit de manière différente, en phrasé anglophone. 52 par 38, nous sommes toujours sur la même taille que le premier que je vous ai présenté. Son code est DT54. Voilà, donc, je vous disais qu'il y avait 7 modèles, j'ai numéré avec mes petits doigts, souvenez-vous. Il y a quelques jours, quelques semaines, je ne saurais plus dire à quelle distance de l'une et de l'autre vont se produire les vidéos. Non, il y a 8, j'ai oublié le papillon. Il y avait un papillon. Il y a un papillon. Oui, j'ai oublié de dire de vous stipuler qu'il y a un papillon. De toute façon, le lien va directement, non pas sur ce produit-ci sélectionné, mais sur la page avec tous les modèles disponibles. Peut-être que d'ici là, il y en aura d'autres. Mais à ce jour, de toute façon, je les avais vus il y a un bon 2 mois dans la boutique. Puis après, je les ai vus fleurir ailleurs, bien sûr, c'est normal, comme toujours. Et depuis ce temps-là, c'est toujours les mêmes modèles. Peut-être que si ce produit remporte un franc succès, on verra peut-être d'autres modèles arriver. Pourquoi pas leur demander aussi. Pourquoi pas leur proposer avec une illustration, demander s'il est possible d'avoir ce modèle, ce style de modèle. Voilà, chose que j'ai déjà pensé soumettre aux entreprises. Du moins, Viprostitch. Voilà. Bon, ma petite mallette est un petit peu cabossée. Mais bon, tant que l'intérieur, tout est OK, moi, je m'en fiche. Donc, mallette en dur hein, quand même. Elles sont assez rigides, pareil. C'était ouvert comme l'autre. Donc on va découvrir ensemble. Ok, là j'ai pas de fil qui dépasse sur le côté. En premier lieu, je découvre le crochet pour la tapisserie, hein, pour tapisser, on va dire, notre tapis en point noué. Toujours le même, voilà, en plastique, mais je pense qu'ils sont solides. Il me semble que j'ai entendu des... si je ne me trompe pas, des retours de ce crochet qui fait tout à fait le travail. Il arrive que certains crochets aussi au niveau du... alors, pas ceux qui sont dans les kits, hein, mais qu'on peut retrouver dans nos merceries. Moi, c'était boutique. Il arrive que les crochets, la barre est plus épaisse. Mais il faut vraiment que l'on puisse vraiment passer sans problème
dans la trame en fait. Je regardais si mon crochet s'ouvrait bien, parce que même en passant comme ça ici, ah si, c'est ouvert là. Ok. Ça va être une grande première pour Isa. On découvre les magnifiques. On les voit mieux que moi, parce que moi, en fait, la petite valisette, elle est avec des traits à l'oblique. On les voit pas spécialement là. On les sent à l'intérieur. Voilà. Donc, on voit le panel de couleurs. Ouais, la même odeur se dégage du kit comme l'autre. Donc, je vais essayer de prendre, tant bien que mal, j'imagine, le patron, le modèle. Je vais vérifier également avec vous que le compte est bon. Alors, d'emblée, je peux vous donner son prix. Parce que logiquement, ils ont tous le même prix. Il y a un seul modèle, c'est celui dont j'hésitais à prendre. C'est celui que les chevaux. Il est quelques centimes plus cher que les autres. Voilà, mais quelques centimes. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Alors, DIY, loquet crochet, tapis, 19,40 € point noué. Et c'est toujours 52 par 38 cm. Voilà. On le voit mieux. Donc, j'avais un peu peur vis-à-vis de mon sapin. Puisqu'il y a quand même du bleu comme dans le fond. Et ici, le petit zigouigoui dessus. C'est vrai que je ne sais pas trop ce que c'est. Un petit oiseau. Si vous avez une idée, dites-le moi. Je suis preneuse. Parce que logiquement, on met une étoile. Après, dans le temps, mon papa, il avait un petit oiseau en métal avec une queue. Quand on range, on rentre la queue. Et quand on met sur le sapin, donc il y a une pince en dessous pour pincer sur une branche. Et la queue, elle part un petit peu en éventail, on va dire, un petit peu dans... Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Oui. Et donc, on a... Moi, j'étais plus séduite hein, par le bonhomme de neige, l'esprit Noël. On imagine certainement qu'il y a de la neige qui tombe, hein, puisqu'on voit des petits points aussi sur le chapeau de ci, de là. Dans le fond, il y a des branches, il y a des petits sapins. Donc, on va voir tout ça ensemble. C'est trop bien. Donc c'est vrai que je vous ai pris carrément deux modèles totalement différents. Un modèle plus passe-partout avec les petits chiots et un modèle plus sur le thème bah Noël. Donc on vous remonte comme l'autre. Hein. C'est tout à fait le même papier explicatif. On vous montre une fois qu'on ouvre la balle de fil, les fils dans leur longueur, qu'on vient passer sous un fil de trame, qu'on vient faire une boucle, qu'on vient mettre au crochet. Donc voilà, qu'on passe, etc. Bon, on ne voit pas entre deux comment ils ont fait, comment ils sont venus. Enfin, voilà. Ici, on a un super patron. Ouais, même ici, ça ne me parle pas. Je ne sais pas trop dire. Ouais, vu que ça dépasse au bout, peut-être un petit oiseau. C'est possible. Un petit oiseau qui est venu là. Parce que c'est vrai qu'on a des petits oiseaux souvent dans des illustrations de Noël. Ouais, certainement un petit osio. Donc, ouais, on va voir ce que ça fait. Ici, par contre, ouais, je pense que c'est aussi un petit oiseau. Ouais, c'est un petit oiseau. Ma toutoune qui a ses petites crises, là. Et ça y est, elle va regratter. En fait, elle est allongée, puis d'un coup, elle se lève subitement. Et elle fait le tour du fauteuil. Et après, elle gratouille pour se remettre au même endroit ou à un autre. Donc, je vous mets en pause et je reviens. Oh, j'appuie pas au bon endroit. Du coup, j'ai un carré qui se met autour de mon pause. Mais mes chiffres étaient toujours en train de clignoter. Donc, je ne filmais rien. Enfin, je filmais rien. Mais j'ai vu tout de suite que ça ne me filmait pas. Parce que comme je vois mes chiffres qui clignotent, ça veut dire que c'est en pause. Voilà. Ça peut être aussi un super cadeau à préparer pour les fêtes. Et si vous avez des enfants, et de le faire quand ils sont à l'école. Et quand vous l'aurez fini, de le présenter avec toute la décoration de Noël. Et ça peut... Waouh, ouais. Ça peut en mettre plein les yeux. Et puis l'enfant, j'imagine, se poser sa petite tête sur le tapis. Non, mais Toon, oh, les casse-pieds. Poser sa petite tête, ses petites jambes, ses petits pieds. Parce qu'ils sont quand même, ils sont grands, mais après, bon, voilà. On pourrait également les monter en thé d'oreiller. Bon, ceux-ci sont assez justes au niveau taille.
pour les monter en oreiller, mais bon, si vous enlevez le biais, il y a possibilité de monter en oreiller, parce que si vous cousez entre le biais, le fond et la grille pour venir faire votre point noué, ça va faire un peu beaucoup d'épaisseur, à moins de le monter à la main. Ouais, c'est possible, tout est possible. À la main, il n'y a pas de souci, ça pique correctement. Donc voilà, on voit qu'on aura quand même un joli panel de couleurs. On a déjà un peu vu comme ça en ouvrant la pochette. Donc j'aime bien parce qu'on aura l'écharpe qu'on voit souvent dans les films américains. Noir avec des carrés noirs et rouges. Voilà, ouf, la carotte. Non, c'est trop bien, trop trop bien. Ça va être joli, je pense que les couleurs sont trop bien. Ah oui, donc on est à l'arrière, on va vérifier ça ensemble. Ici, on a 8 couleurs, je ne me souviens plus le premier kit, 9 peut-être. Donc toujours avec la petite écriture ici, comme je vous ai un peu lu l'autre jour. Ici, le nombre de couleurs. À côté, on a le tableau avec les codes, les symboles qui sont ici. Ici, leur numéro qu'on retrouve sur les balles de laine, logiquement, il y en a qui n'ont pas de numéro, donc après on y va par déduction. Ce sont les couleurs que vont représenter vos fils, et voilà, sur le diagramme, le patron. Les couleurs que vous voyez là sont les couleurs qu'on va venir apposer sur, sur le tapis, tout simplement. Ici, c'est la quantité. Ah ouais, le C, on en a 22. Attendez, n'importe quoi. Bon, machine arrière. Là, c'est le code couleur. En plus, je viens de le dire, ça me paraissait bizarre parce que l'autre aussi, il avait un fond. J'ai pas eu 22, imaginez 22 dans la pochette. Mais quand même 8. Ouais, 8, c'est pas mal. Pas mal du tout. Au total, j'avais pas fait attention à l'autre. J'ai cru que c'était comme un truc de page. Non, non, ils ont additionné le nombre de balles qu'on a. Et on doit se retrouver qu'un total de 27 balles dans la pochette, en fait. Voilà, je me suis rattrapée de ma boulette que je viens de dire. Voilà, comme ça, ça vous donne une idée de comment ça se passe. Donc, moi, je vais vous proposer de voir ensemble les fils, les balles de... Ouais, toujours cette petite odeur pas très, très agréable, mais bon. Il faut laisser prendre l'air aux affaires. Vous mettez dans une pièce que vous êtes en train d'aérer. Et puis voilà. Allez. Comme ça, je peux ranger au fur et à mesure. Je verrai par quoi je commencerai par la suite. Mais il faut à tout prix avoir le nombre exact. Il va falloir compter, 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 compter. Ok. Bon allez, on va commencer à ranger le noir. Le noir, on me dit, je vais mettre ici, comme ça vous suivez avec moi si vous voulez. Bien que je sache que voilà, c'est pas très joyeux pour vous faire ça pendant que vous faites peut-être vos petits travaux manuels, et vous avez bien raison. Alors, on me dit 4 noirs. C'est trop beau, hein, ça, on dirait du velours comme ça. C'est tellement bien présenté. Le compte est bon. Alors, est-ce que j'ai un numéro référent sur mon noir? Je n'en vois pas. Sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, il n'y a pas de... Non, je ne vois pas, mais c'est pas grave. On sait que c'est du noir et qui est représenté par la lettre F, puisque la lettre F est entourée de noir. Et on voit bien que là, au niveau chapeau et au niveau des carrés, effectivement, c'est bien du noir. Donc, je range en même temps un peu plus méthodiquement mes petites balles de laine. Ensuite, bon, on va ranger du vert. Oui, allons-y. Alors, je pense, ouais, il y a deux sortes de verts. Moi, ce que je veux ranger, c'est le vert foncé et qui est noté par la lettre G. Et j'ai trois balles de laine vert. Alors, vert foncé, c'est le vert bouteille, on va dire. Parce qu'il y a un vert un peu moins soutenu. Ok, le compte est bon. J'ai bien mes 3. Et là, j'ai bien la référence 42. Hop, et c'est bien le G. Voilà, là, ça aide à savoir si on se trompe pas quand on prend les couleurs. Maintenant, s'il y a des couleurs qui vous dérangent, si vous avez de la laine à la maison, rien ne vous empêche de venir changer les couleurs. Il n'y a rien de compliqué. Vous prenez un fil, si vous avez peur, vous voyez un peu la longueur qu'il fait.
Et puis voilà, vous reproduisez votre toile avec vos goûts à vous. Ensuite, j'allais ranger quoi? Du rose. Alors le rose, j'en ai que un et normalement j'ai un 54 dessus et c'est bien ça. Je le range. Hop. Ok, c'est rangé. Ensuite, les rouges. Alors les rouges, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a deux sortes de rouges. Normalement, je dois avoir un numéro dessus. 9 ou 6 dans ce sens-là. Le 6, heureusement que j'ai un numéro dessus, c'est le B. Je vais vous montrer les deux. Et le 4, vous voyez, c'est pas les mêmes. Un rouge un peu bordeaux, ici un rouge très pétant. À ne pas confondre, donc ça c'est le A, symbolisé par le numéro 4 rouge, ici. Aïe! La pochette, je me fais mal. Alors on n'a pas... Ah si, attendez, je vais approcher de mes petits yeux parce que ça me paraît très fade. Non, ils ont mis B, eux. Ah oui, 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 oui. N'importe quoi. Symbolisé par un B ici. Mais très fade. C'est le rouge intermédiaire de remplissage, on va dire. Donc, on va ranger les A pour l'instant. Alors, j'en ai normalement deux. Effectivement, j'en ai bien trouvé deux. Je les range. Ensuite, on a les rouges bordeaux. Le 6. Symbolisé par le B qui est ici. Qui est, faut le voir. J'en ai bien deux, je les range. Ensuite, je vais ranger l'autre vert. Bon, ça arrive que des fois il y ait des petits défauts, hein, mais c'est pas grave, on coupe après. Hop. Donc à mon avis, ça arrive comme ça. Et après, ils viennent couper des tronçons avec une machine. On en a plusieurs, des longs saucissons de laine, je ne sais pas de combien, mais bon. Donc celui-là, logiquement, c'est le E et c'est 31. 31. Voilà, même s'il reste une moitié de 3, on voit bien que c'est le 31. De toute façon, on y va par déduction de ce qui commence à... Enfin, ce qui reste. Ok, donc j'ai bien 2, 31. Et ensuite, on va arriver sur ce qu'on utilisera le plus, c'est-à-dire le blanc et le bleu. Donc le blanc est symbolisé par la lettre D, que je n'ai pas ici. Comme avec le noir, j'ai pas de lettres dessus, mais on sait que c'est le blanc. Et le blanc, on me dit sur le patron, les références, le numéro qui doit être dessus, c'est 37, mais on l'a pas. Le symbole qui est sur le patron est le D, on le voit aussi ici. Et je dois avoir 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le compte est bon, vaut mieux vérifier, hein. Vaut mieux perdre 5 minutes de son temps. Ce n'est pas perdu parce que si vous manque quelque chose, là c'est perdu. Bon, c'est un peu plus long parce que moi je le fais en vidéo, mais ce serait déjà fini si je n'étais pas en vidéo. Et le dernier qui me reste, c'est le bleu ciel qui va me faire en majorité le fond, les boutons. Ici aussi au-dessus de la tête du bonhomme de neige, symbolisé par le numéro 22 sur les balles de laine. Et je dois en posséder 8. Alors 1, 2, 4... 6, 8, le compte est bon, voilà, voilà, ça me soulage, ça me rassure. Voilà. Là, j'ai dû oublier de mettre un à chaque fois. J'ai peut-être pas assez serré. Parce que du coup, je me retrouve avec deux que je vais peut-être mettre au-dessus comme à l'autre. Ouais, c'était certainement un peu plus serré, c'est pas grave, je vais faire comme l'autre. Ils avaient mis comme ça sur le bord. C'est pas grave, on verra ça après. Ensuite, bah, on va découvrir ensemble le tapis. Hein. Vous l'attendez toutes et tous, j'imagine, de voir ce tapis, à quoi il ressemble. Donc, je l'ai vu, toujours ce petit plastique arrière antidérapant avec les petites billes qu'on sent comme de la colle, mais qui accroche logiquement pour ne pas... Oui, oui, ça fait le job. Hein. Ouais. Vous voyez, si j'essaye de... Vous voyez de toute façon que j'y mets du mien, puisque regardez, tout se plisse quand j'essaye de bouger tant bien que mal. Donc ça fait très très bien son travail. Oh, il est trop mignon. Il est trop trop beau. Je suis contente.
Il va rendre bien. Alors là, ici, c'est un petit peu froissé, mais à force, ça va se remettre en place. Toujours notre petit biais café au lait, on va dire. Donc celui-ci, il a l'air mieux posé que l'autre. Plus droit, puisque j'ai ici, on voit sur la ligne du bas que j'ai quand même entièrement une ligne complète. On voit ma trame ici qui est là. Ouais. Après, toujours des petits fils qui dépassent, mais ça, c'est rien, hein. C'est des fins de piqûre en machine. On voit bien qu'il y a eu un point d'arrêt ici, donc c'est pas un souci. Maintenant, le conseil à vous donner, c'est qu'il faut toujours impérativement que les comptes soient bons. C'est-à-dire, je m'explique, il faudrait pas que ce soit en décalé, que par exemple, ici, vous avez besoin de, je sais pas, moi, je vais dire une bêtise, 40 bleus en haut, et que finalement, sur le patron, il n'y a que 35 bleus ou 37 ou 38 bleus qui ont été peints en bleu. Voilà. Donc, il faut toujours impérativement bien vérifier. Normalement, sur la longueur, on doit pouvoir y mettre 80 fils. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne de vérifier quand même. Ça peut paraître un petit peu fastidieux. Sur la longueur, on a 60. Mais je pense que c'est essentiel pour pouvoir évoluer correctement sur son tapis. Alors peut-être après, à force d'expérience, on ne le fait plus et on y va à tâtons. Et tant pis s'il faut modifier un peu les bords. C'est parce que moi, je pense toujours quantité. J'ai toujours peur qu'il manque un fil ou deux. Et ça, ça peut être problématique s'il manque quelque chose. Donc toujours se repérer. Que tout est ok. Moi, j'ai besoin de ça pour être sereine, que je me déjà mon départ, il est pas faux. Donc sinon, je vous invite aussi à démarrer soit en haut, soit en bas. On travaille uniquement, ça ils nous le disent bien ici, de bien travailler sur les fils horizontaux et non pas sur les fils verticaux. Donc seulement ici, ceux-là, ici, hop, ici, ici, vous voyez bien, ici, ces fils-là, hein, que ces fils-là. On ne prend pas les fils ici. On ne vient pas prendre un fil et le tenir là. On ne travaille que à l'horizontale. Voilà, après que vous partez de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, peu importe, hein, le travail sera toujours le même. Voilà, donc moi, je vérifie un petit peu comme ça. J'ai envie de voir justement pour voir si, par exemple ici, je vois bien que je vais avoir un blanc à mettre. Ah non, c'est le blanc du haut qui m'intéresse, celui tout en haut, qui est normalement à la 18e place. Donc logiquement, il doit être ici. Je vais compter si avant... Si j'ai bien 17, ouais, 17 avant celui-là, où je dois mettre un blanc. Je vais compter pour voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Franchement, parfait. Ouais, le symbole est toujours, le trait est toujours logiquement, normalement, sur votre droite. Donc c'est là que je vais mettre mon premier blanc. Voilà. Une fois que j'ai mis mon blanc, ici, je vais redémarrer. Ah ben, une sacrée tripotée de... Alors déjà, 10, 20, 31, 32, 33, 34, 35, plus 1 ici, 36. Je dois avoir logiquement 36 avant de revenir faire un blanc. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bon, là, il y a un petit décalage. 36, non, je dis des bêtises. Il serait bien, effectivement, ici. On voit légèrement montrer. Là. Voilà. Et je plante ici pour mettre mon blanc qui est là. Ensuite, j'ai un espace de autant de bleu.
Et je sais que je dois revenir mettre après, alors que j'abîme pas mon crochet, il s'est fermé. Où es-tu passé, mon petit? Voilà. Bon, moi, ce que je vais faire de mon côté, alors voilà, le petit plus, le petit bonus de la vidéo qui change un peu de la première. On va découvrir ensemble le point noué, comment ça se fait, mes impressions, parce que je vous ai déjà donné un petit peu de conseils. Donc moi, mon prime abord conseil, avant d'œuvrer avec vous, on va voir ce que ça va donner. Je vais compter. Moi, j'ai besoin de savoir si effectivement j'ai bien mes 80 points ici, si je ne dois pas en venir chercher un petit dernier que je pourrais rattraper en dessous du biais, c'est possible. Je pense que sur l'autre, c'est ce que je vais devoir faire. Et je vais compter dans ce sens-là. J'en ai dans ce sens-ci, pardon. Donc ça, je vais le faire de mon côté et je vais vous reprendre en 1-1. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai compté, petite réflexion que j'ai dû me faire. Donc dans ce sens-ci, effectivement, hop, tout est OK pour moi. J'ai bien mes 80 points demandés. Par contre, le bémol, dans ce sens-là, il me manque 2 points. Dans le sens de la longueur, il me manque 2 points. Je me retrouve avec 58 au lieu, hop, c'est dur, hein, en 1-1, j'ai pas l'habitude. Il me manque 2 points. Donc ici, je vois que je peux venir rattraper un point. Si jamais c'est trop gênant pour moi, je décalerai ici mon biais. Je le décalerai, je le couserai différemment ou tout simplement je viendrai plier par un petit point encore en plus le biais du dessus pour que je puisse récupérer encore une rangée où je vais pouvoir œuvrer. Donc là, je me retrouve avec 59 rangs. Hop, sur la longueur, 59 points, il me manque toujours un. J'ai regardé en bas, par contre en bas, c'est une autre histoire. Ouais, parce que le dernier, c'est celui qui est vraiment ici de la couture en fait. Hein. Je peux pas aller plus loin, sinon je me retrouve vraiment sur mon bord. Voilà. Donc, il y a des choix à faire. Je me suis dit, soit tu réduis à néant la fin. Et là, ça m'embête parce qu'il y a le bouton. Ou soit, tout simplement, au lieu de démarrer par beaucoup de bleu hein, dans le haut, je supprime ma première ligne et j'y vais franco à la deuxième. Et j'attaquerai tout de suite le nombre de points que j'ai besoin ici pour mon chapeau. Voilà. Donc, choix résolu, je vais faire comme ceci. Mon biais, moi, c'est pas un problème de devoir le plier. Malheureusement, c'est de la grande industrie. Hein. Il peut y avoir des petites erreurs, mais tant que votre toile s'en ressent jolie, moi, je m'en fiche. Voilà. Donc, je vous conseille de ne pas venir couper tout dépioté. Si vraiment après à la fin, quand il n'y a plus beaucoup de... ça n'aura plus de maintien à force de venir récupérer des brins de laine. Si vous avez une boîte plastique, une boîte en métal et que vous puissiez les ranger ou tout simplement dans une boîte compartimentée pour que vous ne confondiez pas. Par exemple, si vous avez un bleu ciel, il y a un bleu moyen qui se rapproche de celui-ci pour être certain de ne pas vous tromper. Ça peut être une idée, une alternative. Donc, on vient prendre un petit brin. Enfin, un brin, alors qu'on ne confonde pas hein, avec le point de croix. Hein. On le prend dans sa totalité, mais on prend un fil de laine hein, qui est déjà découpé. Voilà, on se munit de son crochet. On garde le patron sous les yeux parce que c'est lui qui va nous aider à travailler. Alors, vous avez sinon la possibilité de venir travailler directement à même ce qui est déjà imprimé. Donc, ce n'est pas de l'estamper, hein, c'est quelque chose qui va rester sur votre toile. C'est un peu le précurseur du canevas. Hein. Pour la petite histoire, je voulais raconter un peu d'où vient un peu l'origine du point noué, mais vraiment succinctement. Hein. Je ne suis pas rentrée dans les détails, sinon je vous faisais un exposé de A à Z. Moi, j'en suis capable, j'adore ça en plus, il ne faut pas me lancer une perche. Mais bon, le sujet n'étant pas là, on peut voilà, venir travailler si on veut pas, zéro pression, sans patron. Eh bien, écoutez, vous dites, là, il y aura un blanc, et je viens faire mon blanc. Tant pis si, vraiment, à côté, il n'y a pas vraiment l'espace qu'on nous dit ici. 4 noirs. 1, 2, 3, 4. Forcément, ici, c'est là que le blanc doit démarrer. Donc, oui, on a quand même les 4 noirs.
C'est au petit bonheur la chance. Moi, j'aime bien, je suis quelqu'un de très cartésien et qui a besoin d'une trame du début à la fin. Donc, on se munit de son crochet comme ceci, hein, donc à savoir qu'il se ferme, il s'ouvre avec la façon dont vous venez le travailler. Donc, dans les kits sont fournis à chaque fois le crochet. Il faut savoir que si jamais travailler qu'un crochet comme ceci n'est pas votre truc, ça vous pose problème. Vous avez la possibilité, comme je vous disais dans l'autre vidéo 1 sur 1, de prendre un crochet basique qu'on utilise pour faire des habits en crochet, des napperons, mais d'une taille quand même assez conséquente pour qu'il puisse venir prendre votre laine facilement. Voilà. De toute façon, comme je disais, c'est ni plus ni moins que venir faire comme on fait quand on a premier travaux aussi d'aiguille, quand on fait du tricot, on commence souvent par des écharpes et après on vient y mettre des franges. C'était à la mode hein, dans les années 80. Même des petits sacs que j'ai créés aussi en crochet, aussi bien tricot, les deux. On venait souvent rajouter des petites franges en bas. Certes, plus longues, mais on venait rajouter quand même des franges et c'est le même système. Nos organisateurs cartonnés, les fils qu'on a pour le point de croix, c'est le système du point noué. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a rien, il y a juste un sens, c'est vrai, au point noué. Mais là, on va tisser toujours de la même manière. Alors, Isa. C'est une première pour Isa, vu que moi, j'en ai fait étant jeune fille. Bon, plus jeune encore, hein, 12 ans. Je commençais à rentrer tout doucement dans l'adolescence, dans les années 80. J'avais un crochet comme ceci en bois, mais je ne savais pas l'utiliser. Nous n'avions pas d'aide vidéo, loin de, loin d'imaginer le portable, loin d'imaginer YouTube, loin de tout ça. Donc c'était la débrouille et comme je n'arrivais pas, eh ben, je faisais qu'un crochet. Je ne sais même plus d'ailleurs si je faisais vraiment qu'un crochet au tout début ou on m'en a donné un après. Je passais les fils, je ne sais plus comment, mais je faisais tant bien que mal. Mais je m'en sortais, le résultat était là. Donc on va voir ensemble comment il faut travailler. Normalement, il y a deux techniques pour venir faire du point noué. Rien que déjà d'avoir les choses dans les mains, je suis trop contente. Merci Vic Cross Stitch. Donc, on vient passer... Oh, mon téléphone qui parle de ma mémoire de stockage. Pff, on ne vient pas me mettre du stress maintenant. Hein. Donc, on vient passer... Alors, je ne sais pas trop s'il doit être ouvert, fermé, mais on s'en fiche. On vient passer dans une première trame, comme ceci. Ensuite, logiquement... Le fil vient se mettre sur la base plus basse de notre crochet en mettant de part égale à gauche, à droite, les deux brins de fil. Voilà. Ensuite, voilà, on fait ce petit mouvement. On rapproche au plus près notre fil du fil de trame. Notre, vous voyez, notre petit crochet à... En rapprochant, vous voyez, il aura tendance à venir se fermer. Nos deux petits brins, donc on passe bien comme ça, sur la gauche, petit mouvement à gauche, je suis droitière, et on vient passer les deux fils dans le crochet. Notre crochet, qui, je vous le rappelle, est ouvert. Et ensuite, on va venir fermer. Donc, on ne tire pas. On laisse les choses se faire logiquement. Et on vient passer en dessous. Normalement, tout vient ensemble. Alors, j'ai pas encore les gestes, forcément, je les trouverai à force. Logiquement, voilà. Bon, c'est bon. C'est juste une question de dosage, de force, d'exercer avec la main. J'ai pas encore enregistré la pression que je dois y mettre. Donc, il faut que je sache aussi combien je dois faire de bleu. Là, on me dit qu'au dixième, je dois faire 9 bleus, puisque j'ai sauté un rang, je vous le rappelle, manque de lignes de trame. Donc, je dois faire 9 bleus. Je recommence avec vous. Donc, je passe mon crochet toujours sur le fil de trame qui se présente à la verticale. Je peux mettre mon crochet de côté hein, ou droit, peu importe. Je le pose. Je viens prendre mon fil que je viens plier de part... Ah non, après, n'importe quoi. Hop, je viens le mettre de part égale de chaque côté. Hop, j'espère que vous voyez bien. Parce que vous montrer de plus près, ça va être un peu compliqué. Donc mon crochet, par contre, il s'est fermé. Il doit être un petit peu ouvert. Voilà.
je passe mes deux fils dans le crochet, je viens prendre mon crochet vers moi, ce qui fait que mon petit loquet a un mouvement pour se fermer, et mes deux fils doivent passer en dessous de mon fil de trame. Bon, il faut tirer un peu plus fort, j'ose pas, j'ai peur de casser. Bon, ça viendra à force, hein. Je sais que tout le monde a un petit... Vous voyez, mon crochet s'ouvre. Hop, j'apporte un petit peu, voilà. Donc, un conseil aussi, quand vous travaillez, vous voyez, ça vous fait une petite bouclette, de bien revenir resserrer vos brins et de les positionner vers le haut si vous commencez en haut. Comme ça, vous avez de libre le rang suivant tranquille pour venir passer votre crochet sans être embêté par les fils supérieurs. Par contre, si vous travaillez en bas, vos brins, vous les posez à plat vers le bas. Voilà, je travaille en haut, je pose les brins en haut, je travaille en bas, je pose les brins en bas. On va retenter ensemble. Moi, je suis aussi en apprentissage. Voilà. Je viens mettre... Alors, attendez. Il ne faut pas faire partir non plus le petit crochet de l'autre côté. Hein. Logiquement, le crochet est fermé. Mais c'est certainement moi qui m'ai mal. Oui, il faut bien le laisser comme ça. Je prends... Je passe bien mes deux fils. Alors, j'essaye de... Hop, de vous décaler ceux qui sont déjà posés. Je les pose à plat comme ceci. Je ferme. Donc il faut pas, je pense qu'il ne faut pas non plus que je tire trop fort pour trop serrer ici pour pas qu'il y ait justement plus de. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Mes fils se sont enlevés. Donc il faut impérativement que déjà les deux fils que j'ai ici soient en dessous du crochet. Voilà. Avec le petit mouvement de déjà vouloir descendre, mes deux fils sont bien en dessous du crochet. Je ferme. Ouais, je sens que ça vient mieux, mais alors est-ce que c'est une histoire de force? Ouais, j'ai peur de craquer mon crochet. Donc j'ai pas encore la maîtrise du geste, ça ne serait que venir, j'espère. Mais j'ai ce manque encore un petit peu d'assurance, de peur de casser le crochet. Donc on y retourne, on vient passer son brin. Il faudra que je compte après, hein, que je n'en fasse pas trop ou que je ne fasse pas assez. Donc hop, mon crochet comme ceci. Alors, il s'est fermé du coup, je l'ai posé trop haut. Mes deux fils doivent passer en dessous du petit crochet loqué qui est ouvert. Les deux doivent se mettre dans le crochet. Je fais le mouvement pour descendre. Mon crochet se ferme. Et je tire. Voilà, ça y est. Comme quoi, le chiffre 4 me suit tout le temps. Voilà. Vous voyez, ça vient mieux. Peut-être que le prochain, il sera raté. Mais je commence un petit peu à ressentir mes gestes. Alors, pour certaines personnes, ça viendra peut-être plus vite. Pour d'autres, ça viendra peut-être plus tard. Voilà. Donc, je passe en dessous. Je mets de part et d'autre. Ça me va très bien de faire ça, puisque moi, je suis une grande maniaque. Donc j'aime bien que les choses soient identiques. Voilà, je passe mes deux brins sur la gauche. Je viens les contourer sur la droite pour qu'ils soient emprisonnés dans mon crochet. Je tire vers le bas, j'y mets pas de pression autre. Et là, je sentais que ça venait pas. Je le sentais. Alors attendez, parce que j'ai mon tapis qui glisse aussi. Je recommence. Je remets correctement mes fils parce que mon fil a glissé. Hop, alors je regarde que je suis dans l'axe. Donc mon crochet est ouvert. Je passe comme ceci en dessous. Oh, voilà, à l'intérieur de la boucle du crochet. Il se ferme. Je fais le petit mouvement de descente. Et je sens que là aussi, c'est dur. Hop, faut pas avoir peur de tirer en fait. Hein. Voilà. Alors... On en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc je compte.
1, 2, alors je suis au deuxième rang puisque j'ai commencé ici, il faudrait que je me le rappelle d'ailleurs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, je sais que je dois en faire 9 de toute façon puisque un carré est composé de 10 points sur 10 points. Voilà, alors je vais aussi vous montrer la deuxième technique que beaucoup prennent, mais c'est pas la technique officielle. C'est que voilà, les filles mettent leur crochet comme ceci. Elles viennent mettre du coup dans leurs mains de part et d'autre leur fil égal. Ils viennent le passer directement dans la boucle. Oh, focus. Bah alors. Voilà, ils viennent le passer directement dans la boucle. Ouais, mais pourquoi moi ça... Ah oui, parce que mon crochet était en dessous. Ouais. En fait, il faut bien veiller que le petit loquet là, il soit bien au-dessus et pas en dessous, bloqué. Et on vient tirer. Attendez. Comme ceci. Ouais, et du coup les filles, elles viennent remettre, hop, elles viennent remettre dans l'espace ici du crochet, que je dise pas de bêtises, normalement mon loquet est fermé. Alors comme ceci. Ouais, en fait mon crochet il reste ouvert. Eh bien, je maîtrise mieux la première technique. Alors je retire mon fil parce que j'ai peur de l'abîmer. Hop, ça me gratouille. Donc je recommence. Je vais essayer de vraiment réussir la technique des copines. À moins que leur loquet est en bas. Je ne sais pas. On vient mettre de part et d'autre notre brin. On vient le coincer ici correctement parce que là j'ai mal pris mon fil. Ah bah alors Isa, j'ai besoin de soulever moi. Pour avoir une bonne platitude, je viens passer. Non, donc mon crochet doit être bien ouvert. Ok, en revenant vers le haut, mon crochet, voyez le bas, le petit bras s'ouvre. Et là, je viens mettre mes deux brins dedans et je dois passer par le fil qui est déjà pris en bas. Mais je trouve que ouais, c'est plus compliqué pour moi. Là, c'est moins... Et alors que les filles, elles font ça... Ouais, non, moi, c'est pas... Vous voyez, j'arrive même pas à vous montrer... C'est pas logique pour moi. Alors que je comprends, les filles, c'est plus logique de venir mettre son fil tout de suite dans le crochet et de le passer. Mais moi, ça veut pas. En plus de ça, du coup, j'ai un brin qui s'est mal mis et je risque d'abîmer mon fil. Ouais, non, Donc pour la deuxième technique, j'ai du mal. La technique officielle, hein, c'est celle que je vous ai montrée. Par contre, sur celui-ci, non, c'est celle qu'ils ont montrée, eux. Si je ne me trompe pas, puisque là, ils font la boucle dans la main. Mais moi, la technique 2, elle ne me va pas. Donc il faut se chercher, je pense. Et se trouver la technique qui vous convient le mieux. Ouais, je pense qu'il faut peut-être mettre un peu le crochet de côté. Alors, peut-être laisser une belle boucle ici, pas tirer, pour avoir une aisance. Ouais, voilà, c'est ça. Pour avoir une aisance de passage, et encore faut-il que vos fils passent tous correctement également. Non. Moi, ça sera certainement pas cette... Je me sens pas à l'aise. Je me sens pas à l'aise avec cette manière de travailler et je commence un petit peu à abîmer mes brins de fil qui commencent à se séparer. Donc moi, je vais travailler de la manière que j'ai vu qu'il fallait faire. Au moins, j'y arrive cette année. En même temps, j'avais que 12 ans. 12 ans, pas de renseignements de comment faire. Et là, je vais pas y arriver. Vous allez voir, je vais galérer. Mon fil est déjà un petit peu abîmé. Allez, Thierry, n'aie pas peur, c'est fait pour. Ouais, moi, je maîtrise mieux cette technique-là. Donc, il faut tester. Il faut tester les techniques. Et si vraiment, 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 ça ne vous va pas comme ça, je vous conseille de prendre un crochet. Voilà, moi, je vais continuer comme ça, puisque c'est ce qui me va le mieux. Le tout, c'est de se trouver. Hein. Du moment qu'on y arrive, moi, je vais vous dire, c'est le principal. Hein. Peut-être que j'y arriverai par la suite, que j'ai mal enregistré aussi les mouvements.
Donc il nous faut impérativement pour cette technique-ci que le petit loquet soit ouvert. Voilà, même s'il est un petit peu en l'air, on s'en fiche tant qu'il est ouvert. Mais passer impérativement les deux fils en dessous, puis venir les emprisonner dans le crochet. On fait le mouvement pour venir vers le bas. Et on va venir tirer sur... On lâche, hein, parce que sinon, si on lâche pas, ça va pas venir. Je sentais que ça ne l'est pas. Bah alors, ça veut plus. Tu as été vexée que j'ai cherché une autre technique. Voilà, on ferme. Je pense que c'est des gestes qu'il faut avoir rapides. Et du coup, quand on les a pas rapides, eh ben, ça veut pas. Bon, eh ben, ça veut plus. Donc, c'est pas encore inné chez moi. C'est pas encore acquis. Mais je vous assure que ça va être des heures de plaisir à travailler. Ouais, je pense qu'il y a une façon après. Oula, il y a une façon après de venir tirer son crochet. Et là, j'ai utilisé une mauvaise technique, une mauvaise manière de le tenir. J'attrape des petites suées, c'est normal. C'est parce que j'ai tellement à cœur de vous montrer quelque chose de bien correct. Bon, j'ai réussi, hein, vous avez vu. Voilà, c'est bon, ça vient. Ouais, il faut bien tenir, si je comprends bien les choses en les analysant de mon côté, bien tenir son crochet droit et de le redescendre bien droit et non pas de biais. Voilà, bah, je suis super contente. En tout cas, c'est super plaisant. Bon, c'est pas physique non plus, hein, c'est parce que j'ai peur, j'ai toujours peur de casser. J'ai toujours peur d'abîmer, d'endommager. C'est pour ça que je suis aussi quelqu'un d'assez doux dans mes gestes, hein, dans tout ce que je fais. Et du coup, comme il faut tirer, là c'est le problème pour Isa. Il faut tirer en fait. Et Isa a peur de casser. Là c'est pas serré. Je remarque qu'en fait, il faut quand même que ça soit bien, bien tendu. Il ne faut pas hésiter à accompagner jusqu'à vraiment la fin et bien tirer vers soi. Et là, ça va encore une fois pas. Bon, il va falloir enregistrer ce petit mouvement. Hein, hop, voilà, là je sentais que ça venait. Voilà, il faut continuer à bien tirer vers soi. Hop, à force, ça viendra tout seul. Vous verrez que dans quelques temps, quand je vous montrerai l'avancée et quand je vais vous montrer et qu'on fera encore ensemble du point noué, vous verrez la différence, j'imagine. Donc, ce qui nous dépasse, on va regarder un petit peu. On se retrouve avec une petite longueur de fil. 2, 2, 2, 2. Oh ben ouais, presque 2. On n'est pas 2,5, mais presque, tout comme. Voilà, et je trouve quand même qu'on a une belle platitude quand même au niveau des fils. Donc, oublie pas que tu dois en faire 9 et après tu vas changer de couleur, cocotte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On n'hésite pas, hein, à bien retirer dessus pour bien fermer nos boucles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 8. C'est bien ça, hein. Attendez, je ne sais plus. Non, c'est au dixième. Encore un bleu. Hop, je viens poser mon crochet. Donc, est-ce qu'on peut travailler ce genre de choses dans un canapé? Certainement cuit, hein. À force de manipulation, après on maîtrise, c'est comme tout, hein, on maîtrise le matériel, on maîtrise les gestes surtout aussi. Ouais, là je sentais que ça venait pas correctement, donc il faut appréhender la chose. Ouais, tout est dans la façon de tenir les fils, le serrage. Voilà, je vais prendre, alors je les ai mis où les blancs? Ah ça va, j'en ai un tout près. Je me prends une balle de laine blanche, puisque là ça y est, j'ai bien mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, 9, je vais faire le dé qui est du blanc. Donc n'oubliez pas, hein, j'ai dû sauter une ligne parce que j'ai pas assez sur la longueur. Vaut mieux essayer d'attraper un brin sur le côté si jamais vous poussez légèrement et vous remettez en place après. Moi, mes fils que j'avais quand j'étais plus jeune, ils étaient beaucoup plus épais que ça. C'était moins joli au niveau qualité, de fil. Vous voyez, on voit aussi que j'aurais dû démarrer ici pour celui-là, en fait. Mais bon, on s'en fiche, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir au maximum le nombre de rangs.
voyez pourquoi l'importance aussi, comment dire, l'importance de, je vois même pas mon petit crochet, ouais, il était pris dans des fils. Bah, je vais y arriver. Mon petit loquet, hop. Ah oui, c'est parce qu'il est en dessous. Vous voyez, je ne maîtrise pas encore mon objet. Hein. Je dois bien le tendre pour avoir une bonne platitude et que mon crochet, mes fils passent bien en dessous. J'ai l'impression que le blanc est quelque peu plus... Hop, je tiens avec ma main. Mais il y a du mal à passer, lui. Le blanc est un petit peu plus compliqué. Et j'ai peur de casser. Comme d'habitude. Alors, ce que je vais faire, je vais venir tirer avec mes petits doigts. Logiquement, on ne tire pas avec les petits doigts. Le crochet doit faire son travail. Mais Isa, elle est encore en apprentissage. Vous voyez, ça a tendance des fois un petit peu à abîmer le bout du fil. Mais sachez qu'on va certainement devoir leur faire une petite coupe. J'ai demandé à ma fille. Elle a des bons ciseaux. Non, non, je rigole. Elle va abîmer ses ciseaux de coiffure. Hors de question. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et hop, j'ai mon 10. Maintenant, je vais me retrouver avec 10 autres entièrement bleus. Voilà, ça va être des gestes à enregistrer, il n'y a rien à faire. Il faut impérativement que mon crochet soit ouvert, comme ceci. Je le passe en dessous. Bon, la deuxième technique que les filles utilisent plus couramment, moi, je ne l'ai pas. Vanessa utilise l'autre technique, elle y arrive très bien. Bon, elle a eu un petit moment périlleux, mais comme moi, je pense que tout, hein, on passe par là. Ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude. Ouais, je sens que ça bloque. Il y a un truc qui ne veut pas. Hop, je mettrai peut-être plus de temps, hein, que certaines. Ce qu'il faut, ce que j'ai compris, c'est qu'ici, il faut que ça soit bien tendu. Et après, il faut tirer. Il faut accompagner jusqu'à la fin. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On le sent tout de suite. Voilà, moi, je le sentis tout de suite passer au bon endroit. Donc, il faut encore tirer. Hop. Avec ma force légendaire, n'est-ce pas? Peut-être que je ne dirai plus ça que... voilà, qu'il faut de la force. Voilà, moi, je les couche correctement. En haut. Moi, je suis maniaque aussi en même temps. Donc, j'espère qu'avant la fin de la vidéo, je vais maîtriser mieux. Peut-être qu'on verra une différence. C'est à force de faire, hein, c'est comme tout. Hein. À force de faire, on va acquérir de l'expérience, de la rapidité. On va enregistrer les gestes. Là, vous voyez. On ne réfléchit pas. Il faut, justement, le problème, c'est qu'il ne faut pas réfléchir. Au plus on se focalise, hein, sur ça, au plus je trouve qu'on... C'est un peu comme tout. Quand on se focalise sur un souci, des ressentis, par exemple, si j'en reviens à mes petits couacs, au plus je vais me focaliser, au plus je vais ressentir. Voilà. C'est comme le mal de tête. Au plus on va se... Regardez. Est-ce que c'est une question de force? Ça a été tout seul, là. Et le prochain, on verra. Je ne veux pas, hein, me porter... J'espère que je suis bien dans le champ. J'espère que vous passez un bon petit moment avec moi. En tout cas, moi, c'est super agréable, même si j'ai un peu de difficulté à certains moments. Mais voilà, je partage avec vous mon apprentissage. De bon matin en plus. Il faut bien serrer à la base. Et là, je sens que, voilà, quand on a des gestes maîtrisés et un peu plus rapides, je trouve que, voilà, ça va beaucoup mieux. Mon crochet était mal placé déjà de une. Hop, je place. Hop. Logiquement, il ne faut pas réfléchir. Il faut y aller. Voilà. Et la maniaque que je suis, je vois que j'ai un brin légèrement plus bas. Comme je dois serrer, je vais profiter de venir, hop, et après je prends les deux pour serrer. Ma petite technique à moi. C'est bien d'apporter un petit peu de fraîcheur, de nouveauté sur la chaîne. Oui, fraîcheur avec ce modèle, c'est sûr. Un petit peu de fraîcheur. J'appréhendais un petit peu, hein. Ça je ne vous cache pas, parce que j'aime bien quand même... C'est pas une question de réussir, mais de vous montrer des choses correctes, quoi. Parce que là, c'est quand même sous forme un peu de DIY tuto. Hop, alors hop. Mon crochet doit être ouvert. Vous voyez, au plus on passe de temps, au plus c'est compliqué. Voilà.
Non, j'aime bien. J'aime bien, même si voilà, il y a des petits moments un peu plus difficiles, mais franchement, c'est plaisant. Alors là, c'est 10. Vous voyez, j'avance quand même un petit chouï plus vite qu'au début. La deuxième technique, je reverrai ça de mon côté quand je reviendrai vers vous, parce que je ne vais pas le finir en un jour, il ne faut pas rêver non plus. Je reviendrai vers vous pour vous montrer la deuxième technique que j'essayerai de maîtriser. Mais moi, je me rends compte que c'est celle-ci que je maîtrise mieux, on va dire. Je ne la maîtrise pas encore à 100%. Mais voilà, ça va déjà bien mieux. Ouais. De toute façon, tout est dans la façon de tenir son crochet. Il faut bien le tenir à la verticale. Si on le tient de côté, ça ne va pas, je l'ai remarqué. Là, encore une fois, vous voyez que j'ai pas dû tirer comme une sauvage. C'est venu tout seul. C'est vrai, je ne vous ai même pas parlé du temps aujourd'hui. Alors, ici, il fait 22,7 au niveau de la salle à manger. En face, un côté salon, je n'ai même plus parlé, moi. Hop, mon crochet était mal passé dans le bon sens, mais par contre, il s'est fermé. Il faisait 21, il fait tout gris. Cette année, ce n'est pas du tout le temps de l'année dernière. Voilà, je dois bien le tenir verticalement pour bien le passer droit dans l'espace. Vous voyez, je tire à peine. Ça, je l'ai compris maintenant. Ça, il faut observer, il faut être observateur de ce qu'on fait et d'essayer, entre guillemets, d'analyser pourquoi ça ne va pas comme ça veut. Là, il faut que votre crochet soit pas en bas, emprisonné par la trame. Hein, vous voyez, sinon, on ne sait rien y faire. Il faut à tout prix que votre petit crochet soit côté supérieur, mais qu'il soit ouvert. J'étais en train de tenter des choses. Voilà, je passe en dessous, je le contourne, je tiens bien à plat, je tiens bien mon crochet bien droit pour lui donner le chemin qu'il doit parcourir. Hop, là j'étire un petit peu plus parce que je pense que j'ai été longue à réagir. Du coup, les gestes sont pas tout à fait les mêmes. Mon crochet est resté fermé. Est-ce qu'il y a une façon de rentrer aussi? Normalement, moi, je ne sais pas trop, on verra ça. Mais il faut de toute façon qu'il soit comme ça. Voilà. Et bien, l'air de rien, je fais mon petit bonhomme de chemin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est marrant, hein? Je ne sais pas pourquoi, parce que même dans d'autres activités comme le point de croix, je fais pas toujours tout comme tout le monde. Les ressentis que j'ai des fois sur certaines choses, c'est pas toujours non plus comme tout le monde. Ouais, et là, il y a du mal à passer. Alors, hop, je viens tirer mon brin à droite pour qu'il soit équivalent, plus ou moins. Voilà, équivalent. Voilà, et je serre en même temps les deux. Donc, on verra certainement au fil des rangs une amélioration nette de la qualité de la pose des fils, qu'on se cherche plus à ne pas avoir de problème pour les passer, ça certainement. Hop, mon loquet s'est fermé. Hop, je cherche pas, je passe droit et je tire. Là, c'était légèrement un petit peu plus physique. Mon petit doigt, il prend un petit peu cher. Mais bon, ce sont des gestes que je vais acquérir au fur et à mesure du temps. Je ne sais même plus combien j'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le compte est bon. Donc déjà, je suis là. Ta, 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 ta. Ensuite, je dois faire 1, 2, 5, 6, 7 bleus encore. Alors, à la limite, vous pourriez éventuellement programmer le nombre de fils que vous avez besoin. 3, 4, 5, 6, 7. Manque de bol. T'en as sorti un de trop. Alors, c'est bien ça. Parce que là, comme j'ai pas une couleur intermédiaire, il faut pas que je me trompe, que je me dise mince, combien. Alors, du coup, il faudrait compter plus loin pour savoir la totalité de là à là. Si jamais je me trompais.
où je compte en une seule fois et non pas de 10 en 10. C'est possible. Donc, je suis très maniaque. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je recompte mon nombre de brins. 2, 4, 6, 7. Ok. Je revérifie ici parce que je filme. Hein, donc, je suis un petit peu moins concentrée que si j'étais seule dans mon coin. 5, 6, 7. On est d'accord. On est reparti pour un tour. Hop, hop. Voilà. Je tiens bien droit. Je viens ici. Hop. Ouais, et puis mais là, mon fil s'est très mal mis. Regardez. Je le sentais. Quand je le tenais pas bien. J'ai senti que ça glissait. Alors voilà, je desserre un peu ma base. Ou soit vous venez tout enlever, ça me prend 3 secondes à tout réenlever. Hop, hop. Voilà, toujours à veiller à ce que le crochet soit vraiment, toute la partie crochet soit vraiment au-dessus de votre trame. Bon, j'ai encore des petits couacs, mais un peu moins qu'avant. On sent qu'il commence à avoir une légère fluidité qui se crée. Voilà, donc je rapproche surtout hein, mon fil carrément collé en dessous du fil de trame de ma tapisserie. Hop, je mets bien comme ceci, je ferme et je viens en bas tirer. Voilà. À force, on enregistre les mouvements. Même si c'est pas encore inné, puisque c'est tout nouveau, c'est récent. Peut-être que la prochaine fois, je vais ressortir ma tapisserie. Je vais rencontrer peut-être les problèmes entre guillemets, de débutante. Normal, je suis encore une débutante. Hop, 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 je mets bien droit. Je tire, je lâche et je... Hop. Ouais, ça y est, ça vient. Donc, vous voyez, dans ce sens-là, ça vous fait une boucle. Et si je mets dans l'autre sens, ça fait un petit V. C'est exactement comme vos fils sur vos organisateurs. C'est là qu'on se voit si on les a mis à chaque fois dans le même sens, surtout sur les écharpes que l'on fait. Hop. Mon crochet, c'est vrai qu'en le posant, il a tendance à se refermer. C'est pas grave. Hein. Avec un doigt, hop, vous revenez l'ouvrir. Voilà. Tout est vraiment dans la bonne façon de maintenir ses fils et son crochet. Voilà, moi je préfère bien maintenir ici. Hop, mon bracelet qui s'accroche comme d'habitude. Oh non, pas lui. Donc il faut tester. Il faut tester. Vous avez vu un peu les techniques. Alors Vanessa a fait une vidéo aussi à sa réception de sa petite gorgeous qu'elle a eu en cadeau de Cindy, me semble. Oui, il me semble que c'est Cindy. Et du coup, elle a maîtrisé l'autre technique. Et moi, je maîtrise mieux celle-ci. Ça fait joli. On voit déjà une belle platitude. C'est sympa. Oh, mais je suis bête. J'ai tellement l'habitude de prendre des brins de fil et de les mettre déjà en accord des formations du point de croix. J'aime bien que mes fils soient bord à bord. Hop, donc j'approche au maximum, vous voyez, je tends mon fil hein. Voilà, et je fais ce mouvement-ci et je vais droit, mon crochet, sa trajectoire est en face. Hop, et je repasse mon crochet dans sa totalité. Voilà, il devrait bien tenir comme ceci, vous voyez, avec le crochet bien ouvert. Bien tenir ses petits bouts, bien approcher son fil, c'est notre main hein, qui guide. Voilà, comme ceci, vous voyez, même si on ne faut pas non plus coller là, on s'en fiche. Hop, je maintiens, et ça aussi, bien maintenir. Avoir une bonne prise de votre crochet parce que j'ai tendance à le tenir bas. Je suis en train de filmer
Et là, je tire vers moi, hop. Voilà. Alors des fois, ça va un peu plus, comment dire, moins de force à mettre que d'autres. Vous voyez, après, de toute façon, mes brins vont se mettre droit comme ça. Donc, le fait que ce soit un petit peu plié ici, ça se verra pas. C'est pas gênant. Voilà, donc là, je vais avoir besoin de blanc. Je surveille quand même le temps que je filme avec vous. Sinon, on va passer la matinée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je revérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais avoir besoin de 8 blancs. 2, 5, 6, 7, un seul s'il te plaît. C'est parce qu'après moi je vais ranger. Donc il faut que voilà. Je vais ranger, je vais produire ma petite vidéo. Je vais vaquer à mes occupations ménagères aussi. Il faut que je termine ma petite vaisselle. Hop, donc je rapproche mon fil, je le passe en dessous du petit loquet ouvert. Je le rapproche dans le reste du crochet, toujours en tenant bien à la verticale. Et je viens tirer vers moi. Là, je sens que ça bloque. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait. Donc quand c'est comme ça, on ne force pas, on essaye d'enlever au max. Hop, et on recommence. Voyez le blanc, je vous dis, j'ai pas la même impression d'épaisseur de fil. On est un chouille au-dessus. Et dès qu'on change, hop, on a l'impression que c'est... Bah après, on va maîtriser. J'ai pris l'habitude avec le fil bleu qui me semble plus fin. Voilà, je serre plus. Et ouais, je sens que c'est pas la même, la même tension que j'ai avec ce fil-là. Ouais, mais ça va, ça vient quand même. J'ai encore tout ça à passer. Hein. Hop, vous voyez même, regardez, il est plus long, bah, me semble. De toute façon, oui, je l'ai bien mis. Bon, c'est peut-être une balle de laine comme ça qui est un petit peu plus longue que les autres, mais bon, à la fin, on vient tout égaliser. On lui fait une petite coupe. Hop, mon petit loquet, j'approche bien mes fils, je les tiens bien à plat. Ouais, je sens que c'est pas pareil. Je sens que c'est un petit chouille plus dur. Donc j'essaye de l'aider à passer, mais... ouais, et je sens que le crochet aurait tendance à fléchir, à... Ouais, le blanc... Ouais, le blanc, c'est plus dur à faire passer. Hein. Je conçois. Mais bon, regardez, j'y arrive. J'y arrive. Je veux vraiment réussir avec mon blanc. Allez, on y va. Ce coup-ci, c'est la bonne. Ah mais non, les restes ouverts. Hop, ouais, les fils sont beaucoup plus volumineux, je le vois. C'est plutôt étoffé. Et du coup, j'ai pas du tout le même la même prise. Ouais. Pas logique de voir faire ce mouvement là. Alors je vais aider avec mes petits doigts à faire passer mes brins. Oui, oui, ils sont plus touffus que pourquoi j'y arrivais bien et puis là celui-là j'arrive moins bien. Ah oui, mais au toucher je le sens de toute façon. C'est beaucoup plus dufteux celui-ci que celui-là. Donc il faudrait certainement pour quelque chose qu'on ferait dans la totalité qu'un fil super épais, un crochet plus épais. Je ne sais pas si vous voyez au niveau des deux textures beaucoup plus fines du blanc, du bleu pardon, que le blanc. C'est pour ça que j'éprouve plus de difficultés à le faire passer. Mais ça se fait quand même. Hein. Vous voyez bien, il y a toujours moyen de faire passer son fil. De toute façon, même au point de croix, on voit bien qu'il y a des variations de fils qui ne sont pas aussi texturées pour certains que d'autres. Parce que j'ai beau utiliser la même technique que mes bleus, je sens que ça accroche.
Alors, j'ai pas envie de casser le crochet, bien que j'ai ce qu'il faut ici. Hein, dans ce cas-là, pour les blancs, je prendrai mes crochets. Alors, je ne peux pas vous les montrer là. Je vous montrerai dans une autre vidéo parce qu'ils sont dans ma chambre et mon mari est au lit. Voilà. 9. Ouais, évitez de faire comme moi. Hein. Logiquement, on ne doit pas les passer comme moi. Mais bon, système D, hein, personne qui vous dira rien. Mais la logique étant de travailler comme je vous ai montré ici. Hein. Ouais, mais ils sont beaucoup plus épais. Donc, forcément, mon crochet, il galère un peu plus. Au bout d'un moment, je vais quand même les dompter. Ah, puis mon bracelet qui s'accroche de partout. Je ne cherche pas des excuses. Hein. Allez, hop. Oh, j'avais mal passé mon crochet. Hop. Hop. Je vais tirer un peu plus encore, mais je pense pas parce qu'il faut vraiment réussir que tout passe bien à travers tout. Et je sens qu'il y a une... Déjà moins. Résistance. Je commence peut-être à dompter le fil blanc. Peut-être. Je l'espère. Vous voyez, pour des choses comme ça, je suis tenace. Mais dans la vraie vie de tous les jours, quand je suis confrontée à des couacs, je ne suis pas tenace. Il n'y a que dans les loisirs créatifs. Je n'aime pas rester sur un échec. Ouais, je sens que c'est... Tout à l'heure, il va se décrocher de mon manche. Ouais, c'est plus dur. Le fil est beaucoup plus charnu. Bon, ça va, j'ai pas beaucoup de blanc à mettre. Oh, il y en a quand même, hein, mais parsemé. C'est un peu plus... Ah, si, si, le blanc du bonhomme de neige. Eh ben, j'espère que d'ici là, la maîtrise sera... aura de mise parce que là franchement c'est pas jojo hein. De toute façon je pense que j'utilise cette technique ou l'autre, ce sera le même problème pour moi. Je ne sais pas si dans ces kits là si quelqu'un en a déjà, à part les copines, je crois que ouais, Catherine aussi, elle a un chat. Oui, elle a fait un chat, il est super joli. Et oui, en même temps c'est la même compagnie que moi au niveau des kits. Donc je sais pas si j'ose même plus lâcher mon fil. Non mais faut le lâcher au bout d'un moment, Isa. Ouais, je suis obligée d'un petit peu aider. Alors je sais pas si Catherine elle rencontre des mêmes problèmes. Je sais pas si elle passe encore par ici. De fil un peu plus difficile à faire passer dans. Bon, vous voyez, je trouve quand même des solutions, hein, même si c'est pas très logique, mais on s'en fiche tant que ça fait le travail et tant qu'on ne casse pas le matériel. Moi, ça me va. Toon, j'ai bientôt fini, j'arrive. Surtout que je pense que monsieur lui a déjà donné à manger. Je pense. Le pire, c'est qu'il me dit pas quand il rentre s'il l'a fait ou pas. Oui, vous voyez, râleuse. Ah, c'est les filles. Ouais, le blanc, il n'y a rien à faire. Il veut pas. À suivre dans 10 ans. Non, je rigole. Bon, je vais le passer moi-même, plus la mise qui est en train de m'agacer. Du coup, ça joue sur mon système nerveux. Oui, oui, ça m'escagace. Restons zen. Oui. Oh, 2 minutes. Ouais, non, non. 2 minutes. Elle vieillit aussi, elle est plus patiente, elle est comme moi. Non, je suis patiente pour mes travaux manuels, mais je suis moins patiente, comme je vous disais, dans d'autres choses. Bon, bah écoutez, on a bien bossé. Le blanc a posé un peu plus de couacs, de soucis. J'espère maîtriser, vous revenir avec une fluidité de crochet. En tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment à vous montrer cette petite merveille qui, je pense, sera dans les attentes d'Isa. Voilà. Sur ce... Je vous souhaite une bonne journée. Un grand merci à Vic Cross Stitch pour ce fabuleux... pour moi, c'est tous des cadeaux. Hein, ce fabuleux cadeau de points noués qu'on verra régulièrement du coup sur la chaîne. Ça changera un petit peu. Elle me fait perdre mes mots. Couche-toi, j'arrive. J'arrive, couche. Pff, ça obéit même pas. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit dans la boutique, d'utiliser le code promotionnel, il est là pour vous, quoi que vous preniez, que ce soit du point noué ou pas,
que ce soit des choses que je n'ai pas montrées. Hein. Voilà, il est là pour vous faire profiter d'une petite promotion de 7%. Je vous embrasse bien fort. Je vous rappelle quand même le prix de ce kit. Et le lien, il est en barre d'infos comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Donc, il est au prix de 19,40 € environ, parce que les prix peuvent un petit peu varier. Donc voilà, pour une taille 52 par 32. Donc, c'est pas mal. Pas mal du tout. Voilà, des fois, on a des prix vers 15 € pour des choses beaucoup plus petites. Donc là, je trouve que le prix, me semble-t-il, soit correct. Je vous embrasse et à demain dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Dites-moi si vous en avez déjà fait. Et puis voilà, donnez-moi votre ressenti. Bye bye, bisous.